Depuis plus de 10 ans, Michel et Eric Dandonneau vendent leurs huîtres à Saint-Jour-de-Marenne, d'abord sur un étal devant la boucherie, puis dans une première boutique avant de s'installer il y a 3 ans dans un nouveau commerce, plus spacieux, à deux pas du premier, où ils proposent à la vente leur production d'huîtres Marenne-Oléron. On vend uniquement nos huîtres. Elles sont labellisées IGP Marenne-Oléron, donc avec un cahier des charges très strict. Et ce qu'elles ont de particulier, c'est que ce sont des huîtres naturelles. C'est-à-dire que nous captons le naissin entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron. Et ensuite, on les travaille pendant 3 à 4 ans avant qu'elles soient vendables. Ostréiculteur de père en fils, Eric Dandonneau a fait le choix d'élever des huîtres naturelles plutôt que les triploïdes, nées en écloserie et stériles. C'est une question d'éthique. Mon mari, c'est la troisième génération d'ostréiculteurs dans notre cabane. Et maintenant, on parle beaucoup de bio, etc. Et lui, depuis toujours, il veut absolument élever ses huîtres de A à Z. Donc, c'est plus par conviction. La boutique du Négus propose donc à ses clients des fines de clair Marenne-Oléron et des spéciales de clair Marenne-Oléron, et ce, toute l'année. Donc les clairs, ce sont des bassins ostréicoles dans lesquels nous affinons les huîtres. Et c'est dans ces bassins se situe une eau beaucoup moins iodée, ce qui fait qu'elle a moins le goût de pleine mer des huîtres qu'on peut retrouver sur d'autres bassins. Et c'est ce qui fait toute la qualité des huîtres Marenne-Oléron. Et après, au niveau de la saison des huîtres, donc pour les purs amateurs d'huîtres des Marenne-Oléron, c'est comme disaient les anciens, les mois en R, donc de septembre à avril. Ensuite, nous pouvons proposer des huîtres pendant les périodes de laitance, comme on dit, de mai à août. Mais c'est vrai que c'est un goût plus particulier, ils seront un peu plus iodés et il y aura du lait qui donnera un peu d'acidité à l'huître. La boutique du Négus, ce n'est pas que des huîtres, c'est également des coquillages, des crustacés et une épicerie fine de la mer. On vend des crustacés et des fruits de mer, nous ne faisons pas de poisson, je précise. Et la provenance de ces produits sont surtout de Bretagne, Normandie et de l'île d'Oléron. On a aussi également une épicerie de la mer, on fait des produits qui vont avec les produits de la mer. Moi, mon produit phare, c'est les tapas d'une conserverie qui se situe en Bretagne. Donc c'est des tapas aux palourdes, aux pétoncles, aux bulots qui sont coupés finement et vraiment très bien cuisinés. Je vous conseille vivement de venir tester ces produits-là, quoi. Vous pouvez également vous laisser tenter par les plateaux de fruits de mer que la boutique du Négus prépare toute l'année. On propose un service de plateaux à emporter. Donc on a un site internet qui s'appelle laboutiquedunégus.com où vous pouvez retrouver les plateaux types qu'on propose aux clients. Et après, les clients peuvent se composer tout à fait eux-mêmes leurs plateaux et panacher avec les fruits de mer et les huîtres que nous avons en magasin. Pour les fêtes, pensez bien à commander. Dernier délai, le jeudi 21 décembre pour Noël et le jeudi 28 pour le jour de l'an. Sur leur site internet, par téléphone ou directement à la boutique du Négus, 6 route de Dax à Saint-Jean-de-Marenne.